Je peux pas venir de mon jeu pourtant. C'est pas le jeu qui gère. Enfin si c'est le jeu, mais. Logique que ce soit le jeu d'ailleurs. Hey yo à tous, c'est Scriptable et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Script fait du A. Yeah. La dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines pour moi, nous nous étions quittés. Je venais de rentrer du Nether et je voulais commencer à faire un chant. Donc oui, je vais commencer à faire un chant, même je vais faire pas mal de trucs dans cet épisode. Mais il serait bien que je regarde l'heure, oui d'accord, 25 et donc d'accord. Donc nous allons faire un chant pour les verrues du Nether, une fouille. Putain, faut que j'arrête avec cet accent. Alors, faut que je fasse un chant, mais où vais-je le faire? Telle est la question que tout le monde se pose. Ah bon, bah nous allons nous le faire ici. Ici. Voilà. Bon, Quoi de neuf, docteur? Rien de spécial, tout va bien, on est heureux, on est content, on est happy tout le moment. Bon, là je geek un peu beaucoup sur Hunger Games. Je ferai peut-être une vidéo. Je geek avec Mezzo, Slider, enfin un peu la Haze, mais enfin l'ancienne Haze. Vu qu'elle n'existe plus, la Haze avec aussi Adsatros, un peu Exilios. Et je fais aussi beaucoup de FIFA Ultimate Team sur iPhone. Parce que FIFA Ultimate Team, FIFA 13 est sur iPhone, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a FIFA Ultimate Team qui est sorti maintenant sur FIFA 13 iPhone. Donc je geek un peu, j'ai une équipe Ligue 1. Si vous voulez, je peux faire une vidéo dessus, même si je pense pas que ça plaît à beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas FIFA Ultimate Team, je vous conseille un très bon youtubeur qui se nomme Titou76. Voilà. C'est un youtubeur que peu de gens connaissent. Mais qui est très très bon. Alors je sais pas vraiment s'il faut un éclairage ou quelque chose du genre. Oh d'accord. Ça m'a fait peur quand même. Donc nous allons faire donc un truc à verru. Et nous allons aussi faire. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, il faut tuer des Enderman. Parce qu'il nous reste 3 épisodes après celui-ci. Enfin 2, parce que le 10e faut qu'on y soit. Donc il nous reste 2 épisodes. Donc il faut qu'on aille tuer un peu d'Enderman, commencer à tuer des Enderman. Et sinon, il y a quoi d'autre? Faire un peu de potion. Vite fait comme ça, un peu de potion, ça peut toujours être bien. Hop là. Bon, c'est pas très beau, hein, mais le but, c'est pas de l'être. Le but c'est juste de faire une plantation. Après je sais pas si ça pousse. Donc, je crois qu'il faut de la lave. Hein. La lave c'est l'équivalent de l'eau c'est l'équivalent de l'eau du blé. Et ben là il faut de la lave je crois, mais je suis pas sûr. Donc ben, pour l'instant on va s'en priver. Villa. Donc on a fait un petit truc, hein. c'est pas exceptionnel. Là. Comme dirait. Donc j'ai pas mal je me suis pas mal renseigné niveau potion. Bien sûr je m'en rappelle plus trop, mais je crois, je sais plus c'est quoi ce type de potion. Bon, on va voir. Je pense que je vais faire d'autres brewing stand. Je vais en faire d'autres. Parce que c'est pas mal utile ce truc, et c'est vrai que les potions ça va pas mal nous servir. Et bien sûr comme un bonnet, ben j'ai tout transformé la blaze rod en comment ça s'appelle, en blaze powder. Ok, ça fait des potions de force. Alors ça c'est très 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 bien. 3 minutes je crois, ça augmente les niveaux je crois ça. Ah oui, les potions de force, ça va être utile, ça, par contre. Donc, tant mieux.
Ça, je crois, ça augmente le niveau. Et la redstone, ça augmente le temps. Si c'est bien ce que je me rappelle. En fait, je suis pas sûr, donc. Ouais, voilà. Et la redstone, ça augmente le temps. Et la gunpowder, ça fait des splashs. Donc, pas vraiment besoin de splash pour ça. Ça, on n'en a pas besoin de splash en fait. Il nous faudra des larmes de ghast pour pouvoir nous faire. Je regarde ce que j'ai si j'enchante. Il nous faudra des larmes de ghast pour pouvoir nous faire des potions de régène. Et voilà. Potion. What the fuck? Strength 8. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Ok, j'étais pas au courant ça, vous voyez. Ouh, mais c'est pas mal ça, hein. Sérieux, c'est la première fois que je fais des potions moi-même. Parce que d'habitude, c'est plutôt des gens de ma team qui faisaient des potions ou des trucs comme ça. Strength 2, 1 minute 30. On peut pas plus. Ah, c'est plus. Ça, c'est nul par contre, vous voyez. Donc bon. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Ça. Voilà. Des potions. Des normales pour l'instant. Il faudra que je me refasse un stuff. En fer. Ah, je sais ce qu'on va faire. Fer. Bon. Scriptable. On va se faire. Un. Comment ça s'appelle? Une enclume. Une enclume. Et on va se la caler. Où est-ce qu'on va se caler ça? Je sais pas si ça sert de faire ça. Ça, c'est pour laver les trucs. L'enclume, on va la caler. Bah, ça va un peu à l'étage des enchantements. Il me semble que ça a été. Voilà, notre enclume. Bon. On va se faire une épée en diams. Non, bah, putain. Débile. Elle est très bien, mon épée en diams. Voyons. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis perdu. Bah, les potions, toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis désolé, hein. Spider Egg. Je sais qu'on peut faire un truc avec ça. Voilà, on peut faire un truc. Je crois que c'est du poison. Spider Egg. Ça doit être. Ouais, je crois que c'est du poison. Je suis pas sûr par contre. Ça peut nous servir du poison. Pour empoisonner des mobs. Faut que je me vide. Je pensais mettre tout ça là-dedans. C'est vrai qu'il va être vide full ce truc, mais il est pas là pour faire beau de toute façon, donc c'est pas un problème. Je vais ranger le fer. Voilà. Voilà. Poison, voilà, c'est bien ce que je me disais. On va augmenter le niveau. Et là, par contre, il faudra des splashs pour les poisons. Les potions, on va les mettre ici. Il faudra aussi qu'on trouve un village de PNJ. Ce serait pas mal, un village de PNJ. Donc, autant qu'on en trouve un. Voilà. Poison 2, 22 secondes. Ouais, ça va les blesser pas mal. Là, par contre, on va faire un splash. Splash, splash, splash. Voilà. Allez. On n'a pas de sucre. Ah, mais non, oui. Alors, j'avais. Je sais ce que je voulais faire aussi. Je voulais récolter ma canne à sucre. Récolter ma canne à sucre pour faire des bibliots. Toi, tu sors. Et ce soir, je suis content, mais vous, il sera déjà fini normalement. Mais il y a Saint-Étienne-Lyon, mes deux préférées équipes, qui jouent contre le derby, le vrai pour moi. Il y a le classico qui est pas un derby d'ailleurs. Mais pour moi, le match de l'année, c'est toujours le derby. Parce que j'adore Lyon, je suis un supporter de Lyon, j'habite à Saint-Étienne. Et
c'est vrai que j'aime bien synthé, surtout cette année, j'aime beaucoup synthé. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait un beau match, un petit nul. Enfin, je préfère Lyon, je l'avoue, j'aimerais bien que Lyon gagne. Mais un petit nul avec des beaux buts de style Aubameyang et Gomis, moi j'aimerais bien. Désolé ceux qui n'aiment pas le foot, mais moi j'adore ça. Enfin, j'adore. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, mes splash normalement. Voilà. Alors, ça, faut ranger par contre. Ça, c'est le truc. Tu vois, faut ranger directement. Pourquoi ça nous en donne que deux? Ouh, d'accord. Hop là. Et je sais pas ce qu'on fera d'autre, mais pour l'instant, ça va aller. Je pense on s... Ouais. On va se refaire un stuff en faillir parce qu'on a beaucoup de level. Le stuff en faire, ça suffit. Ouh, ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble, ça passe très vite le temps. Alors, level. J'ai 21 levels, sachant qu'il y a 4 trucs. Moi je dirais. Allez, 5. 5, 5, 5. Non, non. Le plastron, on le fera un peu plus, donc là on va faire 3 protections. Hein. Bon, rien d'exceptionnel. 5. Fever, Blast Protection, ça peut être pas mal. Par contre, lui, c'est surtout lui qu'on va à fond enchante. C'était merdique ça. Projectile, ok, je me suis fait tuer sur la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir ça, ça, plus ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de. J'ai plus de niveau, bon. Soit on va dans le Nether se faire du mob. Soit. Je sais pas. Parce que c'est vrai que j'ai commencé l'épisode dans une journée. Enfin, en milieu de nuit, quoi. Donc je sais pas si la nuit va tomber. En plus, je suis pas en phare, donc je peux pas voir. Bon. Ben. C'est pas grave. On va. Se remettre nos stuff pourris, de toute façon. Et on va le garder pour l'instant. Hop là. Hop. C'est quoi cette épée? Knockback 1. Bah tiens, je vais enchanter une épée. Non, pas besoin. Bon. Alors, nous allons. Ah! Pff, à chaque fois que je fais des trucs, j'oublie, ça m'énerve. Pourquoi je suis monté? Pourquoi je suis. C'est la première raison pour laquelle je suis monté. C'était celle-ci. Ah! Il me faut quelque chose d'important. Il me faut ceci. Bon, 8 livres. Il m'en faudra un dernier. Donc je vais aller tuer une vache. Voilà, j'en ai tué. Ça y est, j'ai pas énormément de vaches. J'en ai une dizaine. C'est pas énorme par rapport à Natu par exemple, qui en avait une. Je sais pas, il devait avoir 80 vaches. Le mec, tranquille. Du bois. Boulot, tu sers à rien. Enfin, si, tu sers à construire des trucs. Alors, bibliothèque. Villa. Normalement, ça devrait prendre. Quoi d'autre? C'est quand la nuit? Ah! Quand on parle de la Louvinette. Pardon. Louvinette. C'est une youtubeuse, Louvinette. Je suis fatigué, c'est dimanche de Mayakour. Bois.
Loot. Non, ça c'est pas là que ça se met. Et loot, on va le mettre là. Non, loot, par contre, faudrait qu'on pose ça. Désolé si vous entendez des bruits derrière. Voilà. Bon, ben, on va tuer du mob. Est-ce que ça vous dit qu'on aille tuer du mob? Je pense que oui. Enfin, j'espère. Ce serait bête que non. J'ai plus de flèches? Ah, ça m'étonne ça. Ah ouais. J'ai du silex. Ouais, bon, on s'en fout, on va tuer du squelette au pire. On va tuer surtout de l'Enderman, je disais. J'espère qu'on va trouver du mob. Je suis bien en hardcore normalement. Créative. Difficulté normale. Attendez. Non, je suis en hardcore. Bon. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mobs. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mobs quand je joue. Alors. Regardez, là, il n'y a aucun mob. Alors que je sais pas, non, je sais pas, le but c'est quand même qu'il y ait beaucoup de mobs. C'est une série hardcore, je sais pas. Enfin. Là, il y a de la vache, ok. Il y a même 3 tonnes de vaches. C'est abusé. C'est complètement cheaté. Là, il n'y a aucun mob. Aucun mob. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de. Déjà, de laguer, ce serait pas mal. J'ai pas envie de laguer, ce serait pas mal. Pas mal du tout, même. Bon, j'ai lagué un peu là. Désolé, j'ai fait une petite. Je pense que j'aurais fait une petite ellipse. Parce que j'ai eu un petit ralentissement de mon ordi. De toute façon, maintenant, je suis passé à des vidéos de 25 minutes. Ah! Un mob, hein. C'est assez rare. Jean-Pierre, ce serait pas mal qu'on trouve. Comment ça s'appelle? Moi j'ai un projectile donc normalement ça devrait aller. Une taverne de sorciers. Ah je croyais que c'était une faille. C'est nul, c'est une petite grotte toute pourrie. Un marais, tiens. Il y a du zombie. Moi je veux du. Ouais, je m'étais embêté à aller super loin alors que il y en a juste ici du. La canne à sucre. Moi j'étais allé tout au fond là-bas. Eh mais c'est complètement pourri, il n'y a aucun mob. J'ai l'impression d'être en mode facile. Même pas en mode facile. Enfin normalement le spawn de mob est pas géré par ça justement. Attendez. Je vais juste voir un truc. Je vais me mettre en peaceful. Hard. Tenez, on se met en. Ça serait bien de pas bugger. Par contre. Je suis en hard. Ah bah tiens, déjà il y a un mob ici. Eh mais. Les squelettes, ils sont abusés quand même. Je sais pas, ça spawn pas plus, hein. Je sais pas d'où ça vient le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mobs. Ça peut pas venir de mon jeu pourtant. C'est pas le jeu qui gère. Enfin, si, c'est le jeu, mais. Logique que ce soit le jeu d'ailleurs. Oh là là. Oh, parce que c'est pourri s'il n'y a pas de mobs. Je sais pas comment je vais faire pour trouver des Enderman, moi. C'est vrai que ça me fait ça depuis le début en fait. Hein. Là je like, j'adore. D'ailleurs j'ai enlevé le feu comme vous m'aviez demandé. J'ai enlevé la texture du feu pourri. Donc maintenant c'est plus la texture nulle. C'est bien la bonne texture. Oh là. Bien sûr j'ai perdu ma maison, ça c'est pas étonnant. Non, elle est là ma maison. Mais ouais, il n'y a pas de mob, c'est dur. Oh, quand je parle de mob. Mais en fait, je m'en fous un peu des zombies. Parce que les zombies, à part donner l'XP, la viande de zombie, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est de l'Enderman, ce qui est assez rare. Enfin, c'est pas rare. Faudrait trouver un désert, en fait. C'est ça, faudrait trouver un désert. À partir du moment où je trouve un désert, des mobs, ça coule de source. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir. Oh, bon, déjà, je vais te tuer toi. Et toi aussi. Et ils font mal, oh. Et creeper, non? Ouais. Je sais même plus ce que j'ai sur mon épée.
Je sais plus ce que j'ai sur mon épée, j'ai quoi? Elle est penchante? Oh, chaud. Bon, je prends knockback. Ouais, ce que je disais, c'est que je vais mettre pile perpendiculaire à ma base. Et je vais partir tout droit. Comme ça, je me perdrai pas. Étant donné que c'est assez dur de se diriger quand on est en tiny. Quand on pense à quelqu'un comme Xelios, par exemple, lui voit sa maison à 3000 km. Donc bon, c'est pas un problème pour lui. Ouf. C'est vrai que c'est assez important que knockback. Voilà. Pff, non mais, il y a des creepers, des zombies, mais par contre... Non, parce que moi ce que je veux c'est vraiment de l'Enderman. Parce que mis à part l'Enderman... Les autres mobs, enfin si, y a les squelettes, c'est pas mal pour pas leurs os, mais leurs flèches. Comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier pour les skills et les silex. C'est vrai que les Enderman, je crois, je sais même pas s'il y en a dans les biomes. Oh, ça peut être pas mal aussi. Il me faudrait une des carottes. Je sais plus à quoi ça sert d'ailleurs les carottes. Ah oui, on peut avoir des pouvoirs avec les carottes. Bon, de toute façon, ça veut rien dire. Moi au début je croyais que les zombies villageois ça voulait dire qu'il y avait un village pas loin, mais pas du tout en fait. Strictement rien dire. En fait je repars par où j'étais allé pour trouver mon ma canne à sucre. Je crois j'en avais même laissé de la canne à sucre. J'en avais même laissé, ouais je crois. On pourrait peut-être voir où elle est. Il y a toujours le problème. Non mais ça me fait toujours rire aussi, les zombies avec des stuff tout complètement cheatés. Et par exemple là il a une pelle. Une pelle et un stuff en or. C'est pas mal ça. Quoi de mieux? On va aussi tuer des Wither squelettes. Eh mais ouais, c'est vrai qu'ils ont plus de vie. Bah ça fait comme si nous on avait une armure nous. Par contre ils drop jamais, ça c'est pas nouveau. Très mal surtout. C'est pas très pratique pour les loots, mais je peux vous assurer que... Oh! Parfait. Alors... ça c'est épique ça par contre, on s'éclatait. Parce que sur notre serveur on a fait une petite map, End. Et... par contre je vais prendre une épée en diams. On a fait une petite map End. Et en gros on avait des stuff, des différents stuff. Et moi je sais que je prends bien archer parce que j'aime bien l'arc. Et quand on se faisait que se tirer dessus, et à la fin le mec qui gagnait avait je sais pas 20 flèches sur sa gueule. Voilà. Hop là. Oh tu te casses. Non! Ça c'est pour qui cette épée que j'ai fait ça. Non parce que j'avais pas vu ma vie en fait mais. J'ai fait le boulet quand même, j'avais pas vu ma vie et voilà ce qui s'est passé. Prenez-en de la graine. Mais bon, je suis content. Première enderpearl, plus que beaucoup. J'allais dire plus que 9, non, non, il en faut encore beaucoup, beaucoup. Je vais tuer l'autre. Ouais, il brûle pas à la lumière. Je crois il se TP, mais il brûle pas. C'est juste pour se TP en gros. Allez, reprends ta vie. Je reprends. Non! Ouf, j'ai eu peur. Oh non! Non, 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 non! Allez, viens! Viens!
je m'en fous. On part. Parce que c'est énervant. De toute façon, j'aurais mis un accéléré. Il m'a gavé là, l'Enderman. J'aurais mis un accéléré. Là, de toute façon. Parce que voir un mec ne pas réussir à tuer un Enderman. Chacun son kiff. Je sais pas où est la maison. Bon ben, ce que je vous propose, ou pas, je sais pas, j'hésite, si je quitte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, moi je vous dis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cette fin d'épisode sera clôturée par un accéléré où je rentre chez moi. D'ici là, portez-vous bien et tchuss!